bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 33 de notre aventure horrifique sur Days Gone. Comme d'habitude, un casque ou des écouteurs, on se plonge dans le noir et on apprécie direction. Comme je l'ai dit, l'épisode 33, on y va, il nous reste quelques semaines pour terminer le jeu et vous inquiétez pas qu'on va le terminer. Enfin j'espère, mais j'y crois, très honnêtement j'y crois. Allez on y va. Saint John, vous êtes là? Ouais, je suis là. C'est le lieutenant Weaver. Vous avez pu regarder mon formulaire de réquisition? Vous bossez pour la sorcière quasiment tous les jours. Je vais commencer à être jaloux. Ouais, ouais. Enfin, oui, chef. Du polystyrène. C'est ça que vous voulez? Ouais, c'est ça, du polystyrène. Si vous avez du mal à en trouver, il y a un camion accidenté sur l'autoroute 97 au sud de Chemult, près d'un château d'eau. Vous pouvez le trouver? Je vais pas... Écoutez... Je me charge du camion, ok? Vous aurez votre... polystyrène. Je compte sur vous. Terminé. Allez, on y va! Direction le polystyrène. Et ça a pas l'air d'être à côté. C'est à côté ou pas? Ça a clairement pas l'air d'être à côté, je comprends pas en fait. On va essayer de se barrer, on va passer par ici pour sortir. Pas l'air d'être... Attends, je ne comprends pas. Ça, c'est pour aller sur la montagne. Les gars! Oh, damn! D'accord. D'accord. Très bien. C'est pas ça. C'est ça. Nous devons remplir l'arche. Non, c'est une quête secondaire aussi. Oh oui, d'accord, ok. Ah. Yes, yes, yes. On y va, c'est clairement pas à côté. On doit donc trouver un camion qui contiendrait du polystyrène pour la sorcière, notre colonel, bah, bref, tout le monde là. Je vous cache pas que ça commence à devenir compliqué. Si ma femme ne fait pas d'effort dans cet épisode ou l'épisode suivant, ça risque de m'irriter si vous voyez ce que je veux dire. Et je sais que vous voyez ce que je veux dire, parce que là, clairement, je suis le bon à tout faire. Ça commence à être un petit peu terrible pour moi. Et je vous cache pas que je commence à très mal le vivre. J'aurai assez d'essence ou pas? Je pense que j'aurai assez d'essence. Quoique c'est bien bas. Hein. Ah, j'ai pris le bon chemin. Je pense... que j'aurai assez d'essence. Donc direction le Camtar, on va essayer de fouiller et trouver son polystyrène de merde. Ensuite on revient au camp. Donc très clairement, je suis un petit peu le Laposte du temps post-apocalyptique évidemment. Donc c'est un petit peu terrible à ce niveau-là. Je suis l'esclave. Non, je pense même que je suis carrément un esclave. Je pense que le mot esclave est plutôt approprié pour le coup. Donc on y va, c'est pas grave. Qu'à cela ne tienne, comme on dit, on reste calme. On focus, on se concentre, on souffle un coup. On va chercher son polystyrène de merde. Sachez que cette fois-ci, j'ai bien mon arbalète. De toute façon, vous m'avez vu le prendre lors de l'épisode précédent. On désingue tout le monde. Et on revient. Ici, oh, le colonel Garrett. Fous-moi la paix. Oui, chef. Oui, caporal. Nous avons une urgence. Un soldat, un officier, a déserté. Un officier? Un traître. Mais arrête! On n'a pas vu la... Je vais pas parler parce que je risque d'être fort méchant. Bon. Je vais vraiment pas faire le méchant. Alors, frérot, toi. Hop, tu dégages. Toi. Tu dégages et toi. Yes. Tu dégages. C'est bon? On a fait le tour? Un traître de la pire espèce. Il a tué deux soldats et volé une moto du parc de véhicules. Mais non, sérieusement. Okay. C'est bon, on a fait le tour cette fois? Un traître de la pire espèce. Attends, un quoi? Il a tué deux soldats et volé une moto du parc de véhicules. La moto, elle est partie loin. Il a été repéré sur la circulaire du sud. La moto volée à un réservoir bleu. Trouvez-le, caporal. Oui, chef. Je pars à sa poursuite. Oui, chef. Caporal. Ramenez-le vivant. Je suis votre esclave, chef. Non, colonel. Nous allons le pendre, caporal. Oh, ça commence à faire. Il servira d'exemple à ceux qui croient pouvoir se soustraire au règlement de la milice, qui se croient au-dessus des lois de Dieu. Oui, chef. Rompez, caporal. Bon. Un sniper sur la route, merde. Si on pend des gens, ça me va. C'est maintenant que tu as vu le sniper, ça fait plaisir. Vous êtes pas trop en retard, les gars. Hein. Hop. La ferraille. Voilà, ça c'est pour le moteur que je viens... Tout juste John, pour Whittaker.
Caporal Saint John, oui. Ça va faire du bien. Matt, le colonel est là. J'étais justement en train de faire votre éloge. Oui, Caporal Saint John. Le lieutenant Whittaker chante vos louanges. Ouais. Je fais que mon boulot, colonel. Vous m'en voyez ravi. Le lieutenant est en retard dans ses travaux. Avec votre aide... Matt, je vous l'ai déjà dit. La biologie, mes travaux sont bien plus complexes que la fabrication d'une bombe. Weaver est... Le lieutenant Weaver est en avance. Si vous échouez à présenter des progrès similaires, je vais devoir le faire bénéficier de certaines de vos ressources. Me suis-je bien fait comprendre? Ok, il s'embrouille à la radio. Colonel. Poursuivez. Tout va bien. On dirait que... On court très très vite. Cascade! Oui, c'était totalement une brute, hein. On arrête les conneries maintenant. On s'en va, on court, on se raccroche à la vie, mon pote, hein. Voilà, on est bien loin. Bon, en tout cas, ils sont bien embrouillés à la radio, ça fait plaisir. Ça! Quel plaisir! Hop, micro-cascade. En ce moment, je suis en mode cascadeur. On y est bientôt, je crois. Ok, c'est bizarre ici. Attends, mais c'est où? Attends, les gars, on se fout de ma gueule? Ok, c'est bon. D'accord. Eh ben, on va contourner. Avant cela, si ça gêne personne, on va fouiller. Ça serait pas mal. Une voiture de flic pour des munes, je prends. Totalement. Bon. Cette mission risque d'être un petit peu chiante. Hop, ça, vas-y, régale-moi. Bien joué, ça. Bien joué, l'artiste. Chapeau, l'artiste, comme on dit. Ah, sérieux, y a pas de ferraille. Et là? Ah, catastrophe. Bonjour, mesdames. Bon, bah, on peut s'en aller. Pour l'essence, par contre, je suis pas rassuré, pour le coup. Il commence à faire jour, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On va passer par ici. Petit raccourci, je connais bien ici. Mon oncle m'emmenait en Oregon. C'est là. C'est forcément... dans le coin. Yes! D'accord. C'est quoi ça? Bon, il reste plus qu'à trouver le matos pour Weaver. Ok. Eh ben, ça va être super. Donc, je me fais attaquer par des aigles maintenant? Très bien. Hey, je me disais, c'est bizarre, il tourne beaucoup! Près de ce petit truc fort embêtant. Ok. Du polystyrène. On en a passé? Ouais. Trop d'oiseaux là, les gars. Hein. Yes? C'est pas touché. Ok. Oh ouais, mais j'ai pas que ça à foutre. Ils me font chier. Où il est, ce putain de nez? Il m'en faut plus. Oh, une cascade. Ah, très bien. Très très bien. Aïe! Tiens, attrape. Ok. C'est très embêtant. Le nid. Il doit être par là. Hop. On travaille l'esquive ici, hein. Ok. On détruit des nids comme Jaja, hein. Va falloir me récompenser, hein. C'est parti. Oh. Voilà. Ok. On va devoir taffer les esquives, là. Ça marche comment, les frères? Polystyrène, s'il vous plaît. Polystyrène. Très bien. Encore un peu... Oh, bah y'en a pas mal là, dis donc! Hop. Juste un peu plus. Oui, toujours gourmand. Et t'as prévu une soirée avec tous ces gobelets ou quoi? Pas possible! Encore un morceau. Encore un morceau? Bah qu'est-ce que je suis gourmand? Ok, bah maintenant va falloir le trouver le dernier. Ah, peut-être.
Peut-être là-dessus, non? Ok, je peux pas monter. Ou alors... écoutez-moi bien, ça peut le faire. Non, ça c'est des clous. J'ai rien que c'est le clou du spectacle. Très bien. De toute évidence, c'est pas ici. Alors, où es-tu? Genre si j'ai un avec deux gobelets en moins, gros... Oh là là, ils sont juste là, putain. On les voit pas à l'aller, mais on les voit toi. Ça devrait mais suffire. Dégage. Je vais marquer l'emplacement sur ma carte. Courrier, on verra des hommes pour le reste. Oh, attends, mais attends, attends, les gars, c'est quoi? Eh, les missions comme ça, les frères, moi, ça me va pas, ça. Hein. Très bien. Chasseur de primes. Et là, c'est pour rendre la mission. Impossible pendant un affrontement. Il paraîtrait que je suis en affrontement. Eh ben, on va s'arrêter sur la route. Prendre du risque. Gaffe d'ici. Tomber sur une horde. Parfait. Hop, là, il dégage. Pas le temps pour tes conneries, frère. Hein. Ouais. Ok, pas assez de carburant. Bon, on va s'arrêter à la station essence la plus proche. Oh, les corbacs, ils sont terribles. Attention. Hop, j'ai pas peur. Aucun souci, les gars, tout va bien. Jusqu'ici, je gère l'intégralité de tout ce qui se passe. Ok, station essence. On va se TP, mon pote, t'as rien à foutre. De me faire attaquer. Pardon? Ceci n'est pas une station essence? Qu'est-ce que faut que je prenne de l'essence. Allez, allez. Let's go. Allez, on fait un bon plein. Ça va faire plaisir. On va pouvoir se TP. Voilà. On va réparer la moto aussi. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans No Man's Land. Et on va surtout ramener sa quête de mort, si je puis me permettre. Ok. Hop, regardez-moi ça, bougez pas, je connais bien ce taxi. Eh bah oubliez pas que dans une autre vie j'étais propriétaire, directeur de service taxi, donc bon, je connais bien. Voyez ce que je vais dire. Hop, voilà bébé, on est bien. Voyons ce que je peux faire. Voilà, on monte dessus, on se TP et allez, direction cinématique et tutti quanti. Quoique j'ai un truc à faire ici. Localiser le voleur, je suis pas votre homme. Allez, voyage rapide, ça dégage. A tout de suite. Allez, c'est parti. On est arrivé au camp. On dépose notre petite mission et direction la suite de notre incroyable aventure. Tenez, vos gobelets de merde. Hé, hey, j'ai le matos que vous vouliez. Ah, bien, bien, bien. Posez-le par là. Je vais prendre un morceau. Voilà. C'est bon. Alors, comment ça se passe avec le lieutenant Whittaker? Comment ça? Je vous vois aller venir, mec. Vous passez votre temps à lui rendre service. Ouais, je fais juste mon taf. Ok, j'ai essayé de me la faire, hein, quand j'ai débarqué au camp. Ah ouais? Ok, oui. J'ai pas pu m'en empêcher, là, un beau petit cul. Un sacré petit cul. J'adore les petits culs. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que ça a donné? Rien de bon, mec. Elle m'a plaqué au sol et a bien failli me casser le bras. Un bon conseil. Restez sur vos gardes avec elle. Cette meuf est brutale. Ouais, ouais, je tâcherai de m'en souvenir. Besoin d'autre chose? Non. Mais prenez ça et suivez-moi. Elle a un joli petit cul. Ok. Eh bien, c'est parti. Tester le Molotov au napalm avec Weaver. J'ai essayé de me la faire. Très bien. Dis-moi en plus, s'il te plaît. Allez. Le polystyrène est un hydrocarbure aromatique, alors que l'essence est un simple hydrocarbure aliphatique. Essayez un peu de répéter ça. Bref, quand on les mélange ensemble, les chaînes de molécules se brisent en liaison covalente. Ouais, tout le monde sait ça. Ça
Salami, c'est un molotov au napalm, et c'est grâce à ce petit joujou qu'on va gagner cette guerre. Quand j'aurai peaufiné la formule, cette merde brûlera plus fort qu'un chalumeau. Vous imaginez ? Oui, j'imagine plutôt bien. J'ai bossé dans un garage. Besoin d'autre chose ? Non, c'est bon. On y est presque. Boum ! Ça va faire des étincelles ! Ils vont avoir chaud aux fesses ! J'ai essayé de me la faire 82%. On continue. Notre aventure est direction 700. 747 mètres, c'est pas la porte d'à côté, je peux vous le dire. Donc, la moto, et on y va, tranquillou, hop. C'est bien celle que je pense. Oui, c'est totalement celle que je pense. Qui est, attendez, hop. Localisez le voleur, je ne suis pas votre homme. Moto requise, ça sent la course-poursuite, je te le dis. Allez, on va terminer cette vidéo avec une belle course-poursuite, en tout cas j'espère qu'elle va être belle. Sachant que j'ai quand même pire fusil à pompe et j'ai pas de pistolet cette fois. Donc tirer avec un pont, va falloir vraiment que je me rapproche de ma cible. J'ai confiance, il n'y a pas de souci là-dessus. Excusez-moi, poussez-vous. Wow, oh, oh. Tu fais des petites cascades toi aussi. Et, ils sont très très chauds dans ce camp, hein. Ils sont très très chauds, toujours au taquet. Je crois que c'est long, c'est trop long. Là, ils ont voulu faire un grand camp, mais il fallait faire une vraie ville, limite, tu vois. Un truc qui donne envie de parcourir tout ça en moto, un truc beau. Là, je trouve juste qu'en fait, ça manque de building. En fait, dans la généralité du jeu, il y a des qualités énormes, mais il y a aussi de sacrés défauts. En termes de qualité, je trouve que, déjà graphiquement, c'est insane. Parfaitement fluide, il n'y a rien à dire. Le gameplay, impeccable, tu peux arrêter de jouer au jeu un mois, tu reviens, il n'y a pas de souci. T'as déjà... Voilà, c'est un jeu très détente, très sympa. Malheureusement, l'histoire, on est pris un peu pour un esclave, tout le long, hein. De toute façon, vous avez vécu toutes ces heures avec moi. Et le charisme de certains où on est proche du mythe, et c'est un petit peu compliqué aussi à ce niveau-là. Ok, on y va directement. Et ils auraient clairement pu, je pense, honnêtement, faire un effort, rendre les choses un peu plus dynamiques. Par exemple, pourquoi pas une ville avec quelques buildings, des restes. Là, j'ai bien compris, on est en Oregon, enfin on est en équivalent de l'Oregon, c'est que des montagnes et de la forêt. Mais quand même, tu vois, une petite ville, tu vois, un petit truc un peu cozy comme on dit dans le milieu. Ça serait sympa quand même. Alors attendez, par contre, ça c'est problématique. Ça va être très problématique. Je suis censé être en moto. Non mais je vais pas... Attends, c'est pas possible, je dois pas être censé être en moto. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bonjour. Bonjour, je suis très énervé. Ok. Localiser le voleur. Ok, où es-tu? Non, pas par ici. Ok, de toute évidence, c'est pas là. Ça de plus près. Ok, cascade. Oh, il s'est foutu en l'air ou quoi? Ah. D'accord, donc j'ai besoin de la moto. Très bien. Donc j'avais bel et bien besoin de la moto. C'est terrible. Bon, c'est pas une fin en soi. On refait demi-tour. Ok, on va passer par ici calmement. Oh, l'angoisse. L'angoisse. Ok. Besoin de carburant pour la moto? Non, tu te fous de ma gueule, t'es en train de me dire genre j'ai pas de carburant là? Bon, c'est juste en face, ok. Allez, on y va! On fait une petite ellipse, on se retrouve directement à la mission une fois le carburant récupéré. C'est angoissant. Allez, let's go! On est arrivé avec le plein dans la moto. Voilà, par contre, faut pas me prendre pour un con. Mesdames, messieurs, messieurs, mesdames. J'ai peur. Ok. Let's go. Qu'est-ce qu'on a? T'es à moi maintenant. Colonel, je l'ai repéré. Ah. Bien lui. Rappelez-vous, caporal, je le veux vivant. Wesh! Oui, mon colonel, je le capturerai. Les gars! Terminé. Allez, ça gêne personne? Allez, pourriture. Merde! Non! Bah, la cible s'échappe. Bah, ouais, mais je peux pas. Bah, super. Voilà, voilà, voilà! Eh ben, c'était génial! C'est pas une mission de qualité, ça, par exemple! C'est incroyable!
Foutre de ma gueule! Donc, genre, de toute évidence, je devais pas me garer là avec la moto. Échec course-poursuite. Il serait primordial, ferme-la. Fous-moi la paix. Bon, par où? On avance. Colonel, je l'ai repéré. C'est bien lui. Rappelez-vous, caporal, je te veux vivant. Allez, pourriture! Merde! Non! Ok. Let's go. Où t'es parti comme ça? Moto, dis, tire sur la moto! Let's go, let's go! Qu'est-ce que vous foutez, caporal? Je suis pas votre homme! Allez, ferme-la. Ok. Allez. Allez, caporal. Pourquoi vous me faites ça? Ok. Allez. Allez, ouais. Let's go! Easy! Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous... Oh la vache! Qu'est-ce que vous avez fait? Salopard! Non! Ok, c'est quoi ton problème, hein? Déserter, c'est une chose, mais t'avais pas besoin de buter deux mecs pour ça. Lâchez-moi, pitié! Laissez-moi partir! Je vous dirai où j'ai tout planqué! J'irai! Désolé, mon gars, c'est entre toi et le colonel. Je suis votre homme. Colonel, c'est fait! Je tiens, vivant, je vous transmets les coordonnées. Et ben voilà! Direction, regardez, hop, voyage rapide. Vous savez quoi? J'ai envie de refaire une mission. On continue et on refait une mission. C'est parti. Allez, on est parti. On est arrivé au camp. J'ai un nouveau point de compétence, ça c'est plutôt cool. On va voir la prochaine mission qu'ils vont nous donner. Et on l'a fait. Voilà, on se régale, c'est comme ça l'épisode 33. C'est de la régalade parce que 3 et 3, bah, ça fait quoi? Ça fait 33, mon pote. Let's go. Sarah? Oui, pousse-moi ça sur le comptoir. Ok. Oh, excuse-moi. C'est... Toute cette situation est vraiment très frustrante pour moi. Oui, bien sûr. Il me faut un autre formulaire de réquisition. Non, tu sais quoi? Je vais pas te le donner, celui-là. Hein? Pourquoi? Parce que je vais t'accompagner cette fois. Allons-y. Ah ? Sarah à mes côtés, incroyable ! Allez, viens, ma grande. Au trot, soldat. On va voir si tu tiens le rythme. Ah oui, d'accord. Tu rigoles. Ça remonte à quand, la dernière fois que t'es sorti ? Dans le No Man's Land, je veux dire. Eh, j'ai fait mon lot de missions de ravitaillement. Comme tout le monde. Mais j'avoue que ça date. T'as une bécane, au moins? Oui, mais... Je pense que je vais monter avec toi pour cette fois. Comme ça, on risquera pas d'être séparés. Chef, oui, chef. Arrête un peu avec... Hé, hey, tu... T'es déjà entré dans l'arche? Quoi? Les grottes? Ouais. Le colonel m'a fait faire le tour du proprio à mon arrivée. Allez, tu dois bien reconnaître qu'il a été prévoyant. Toutes ses réserves, ses préparatifs, ses objets sauvegardés... Ouais, j'avoue. Cette île est une putain de forteresse. Y'a rien qui pourra rentrer sans sortir l'artillerie lourde. Exactement. Là, voilà ma tente. Waouh, belle piole. On sent la touche féminine. C'est ça. Je passe peu de temps ici. Généralement, je dors sur un lit de camp au labo. Qu'est-ce qu'on a là? Ça fera bien l'affaire, ça.
Matt me l'a offert quand je me suis enrôlée. Matt ? Le colonel. Oh, arrête ton cirque, Deacon, c'est juste un flingue. Très bien, donc elle a un pistolet. Je suis sûr qu'il est clairement mieux que le mien. Je peux rien lui péter. De toute façon, c'était ma femme, hein. On se partage tout. Dégueulasse, sa tante. Hein. Prenons par là. Elle aurait pu faire je le ménage. Je vais montrer quelque chose. Suivez Sarah jusqu'à votre moto. À oh la vache arrivée, la milice avait abattu quasiment sacré tous les soleil. Arbres de l'île. J'ai demandé à Matt, au colonel, d'épargner celui-là. Ah bon? Pourquoi t'as fait ça? Tu te souviens du week-end où on est venu ici, à Crater Lake, après notre mariage? Oui, je me souviens. Je me souviens de m'être demandé combien de temps il avait fallu pour que la lave refroidisse, que le sol se forme et que ces arbres poussent après l'éruption du mont Mazama. Quand tout sera fini, quand on quittera cette putain d'île, je veux qu'il reste au moins un arbre. Écoute, ces types n'ont rien à battre, tout ça. Je l'ai traversé, moi, leur zone morte. Le colonel se concentre sur un objectif, gagner la guerre. Et plus vite j'aurai terminé, plus vite il arrêtera de tout réduire en cendres. D'accord. Faut pas s'énerver pour si peu. Ça reste une conversation de type amicale, plus cher. J'ai pas souvenir m'être garé aussi, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est juste que... Non, oublie. Tiens-toi à moi. Je me souviens. Ouais, tu te souviens, mais tu me prends quand même pour un sacré bolos, c'est chiant. Donc bon, je garde mon calme, mais j'ai quand même envie de te mettre 2-3 gifles. Il y a une école à l'est d'ici, pas loin de l'autoroute. Tu vois de laquelle je parle? Ouais, voilà, ouais. Petite cascade, je les entraîne. Passons par le pont sud, ça sera plus rapide. T'as raison. Ouais, bon, dis-moi des trucs intéressants. Hey, je voulais te demander, tous ces trucs, la levure, le silicate... À quoi ça me sert? L'arme sur laquelle je travaille est un virucide. Si je parviens à isoler le virus provoquant la mutation cellulaire, je pourrais le tuer. Elle s'est pas entraînée sur les cascades. Bonjour messieurs. Qu'est-ce que c'est long, ils font le même entraînement, genre ils font des pompes nuit et jour, putain. Foutez-nous la paix. Oh, c'est long, hein. Hop. Je peux te poser une question? Non. Après cette nuit-là, à Farwell, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'en es sorti? On a bien failli y rester. Quand les fédéraux sont partis, les survivants ont commencé à monter des barrages routiers et à abattre les gens à vue. On a fini par rejoindre le camp de réfugiés où on pensait te retrouver. Mais comme je t'ai dit, j'étais complètement envahi. On a essayé d'autres camps, mais c'était pareil. Aucun survivant. Ils avaient tous été submergés. Moins d'une semaine, toute la vallée était à feu et à sang. Les gens s'entretuaient, pour des miettes, ou sans vraie raison. Si Boozer et moi, on n'était pas restés ensemble, je pense qu'on s'en serait pas sortis. Attends, Boozer est en vie? Où il est? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais, il est en vie, mais il est dans un camp au nord. Il peut plus conduire, il a perdu un bras, mais il a survécu. Je suis vraiment heureuse qu'il ait survécu. Désolée, j'aurais dû te demander avant. C'est pas grave. Ok, à moi! Écoute, ça va te sembler débile, mais... Ce soir-là, à Farewell, la bague des mongrels, tu l'as toujours? Deacon, je suis désolée. Ça fait partie de la politique du colonel, il confisque tous les bijoux à l'arrivée au camp. Ils font de l'or et l'argent pour le projet de... Weaver ou un truc du genre. J'ai oublié les détails. Je suis vraiment désolée. Non, je pensais à voix haute. C'est pas important, t'inquiète. Mon cul, ouais, dis-lui, putain! Hop, esquive. Vache. Voilà, je crois qu'on y est. Serré de chez serré, ici, hein. T'es déjà venu ici? Une fois, avant tout ça. Aux journées portes ouvertes, ils m'ont invité pour parler des débouchés dans le secteur de la biochimie. C'est dingue. Quoi?
Rien, c'est juste qu'un séminaire sur comment survivre à l'apocalypse aurait été plus utile. Allons-y. Je sens qu'on s'est aventuré dans une sacrée mission. Non, attends. Je vais te faire la courte échelle. Hop, je t'envoie là-haut, ça dégage, je vais plus entendre parler de toi. Hein. T'es prête? Ouais. C'est bon. Allez, salut, je me tire. Ouais, j'y suis. Bon jeu. Tiens, rigole, c'est une blague. Ok. Ok. Putain, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'était l'un des premiers camps de survivants. Ils l'ont installé avant de comprendre que les hordes aimaient traîner le long des autoroutes. Ils étaient morts bien avant que j'arrive. Ça doit grouiller de mutants par ici. Ouais. Tu sais où on doit aller? Comme je te l'ai dit, je suis venu qu'une fois. Mais le département des sciences est par là. Attends, hein, ma grande. Hein. Parce que c'est quand même une voiture de police. On va pas abuser des bonnes choses. Voilà, je prends. Pas me prendre pour un con. Hein. Très bien. Attends, on peut faire un truc ou pas? Ah, je peux pas en fabriquer dur. Ah bah ouais, il faut de la ferraille. Ah, des tétards, merde. Ok. Bon, une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai aucune envie de les rameuter. On sait même pas ce qui nous attend à l'intérieur. On sait ce qu'il y a à l'intérieur, des saloperies de tétards. Viens, fais le tour. Mais ils ont pas l'air si méchants que ça, hein. Sachant qu'ils sont quasi one-shotables à la batte. Non. Ceux qui vivaient ici ont bien barricadé les lieux. Peut-être encore des humains là-dedans, hein. On pète un câble. Droite ou gauche, faut choisir. Et par ici. La porte est fermée, mais elle a pas l'air condamnée. Tu peux la forcer? Je dois pouvoir... caler ça là. C'était pas si dur. Par ici, la voie est libre. J'arrive. Ok. Il y a quand même beaucoup de tétards, on va essayer de rester calme. Tu peux te dépêcher. Viens, aide-moi à déplacer ça. Ok, attends. T'es prête? Pousse! Ah non, elle doit tirer. C'est ridicule. Ok. T'es prête? Ouais, allons-y. Parce que si elle pousse et que je pousse, on est pas dans la merde. Oh merde! Recule, recule! Une meute! Oui. Il faut qu'on trouve un autre accès. Non, attends, une minute. C'est jouable. Quoi? C'est jouable. Si on y va en même temps, ils vont tous nous tomber dessus, du coup... Attends, je crois que j'ai une bonne idée. Et si tu montais là-haut, pour faire un tir de couverture? Comme ça, c'est moi dans la merde. Tu descends les traînards et je me charge des autres. T'es vraiment sûr de toi? Ouais, j'opère souvent comme ça. Fais pleuvoir les balles en continu, d'accord? Dicon. Quand je serai passé, referme bien derrière moi. Entendu. Je suis pas très chaud pour ce plan. Est-ce qu'on peut demander aux joueurs? Non? Très bien. Eh ben, on s'en va. Yes! Où tu te crois, toi? Ok. Viens, on va se les faire! Très bien. Voilà. Pas le temps pour ces conneries, moi. Ça va, gros? Moi, ça va. Ok. Ouais, c'est bon, tu peux descendre. Et ben voilà, easy game. Aucun souci. C'était chaud. Non, c'était tranquille ça. On a géré comme des chefs. Les coups de feu vont en rameuter d'autres. Ouais, mais on sera déjà partis depuis longtemps.
Et maintenant? Je sais pas. Ils ont sacrément bien barricadé les lieux. Essaye de voir s'il y a une brèche dans l'un de ces murs, par laquelle on pourrait grimper. Ok, regarde de ce côté. Je ramasse des trucs, un petit tuyau, j'en avais besoin. Alors? Hop, elle est partie. Hein. Oh. Alors, il y a quelque chose ou pas? Ça sent pas bon là-dedans. Hein. Là, je m'y connais, ça sent pas bon. Hey, c'est un des plus grands bâtiments qu'on ait vu jusqu'ici. J'arrive. Allez, go. Vas-y, ma grande. C'est bon? Ouais. Allez. Ouais, c'est bon. Deux secondes, je te trouve de quoi monter. Sarah! Attends, je cherche quelque chose à te lancer. Mais merde! Non, déconne! Oh putain de merde! Merde! Alors, faut que tu me trouves de quoi monter, là! Oui, putain! Voilà! Déconne, tiens! C'est bon, tranquille, tranquille. Faut savoir apprécier. Bonne nuit. Ok, bah, voilà. Faut savoir apprécier les petites choses. Allez. On y va. Quand même. Tout ça pour une petite caisse. On est là. Pourquoi on se marre comme ça? Je sais pas. Tu sais quoi? Ça me rappelle que t'essayais sans arrêt de me renvoyer à l'école. Ah ouais, c'est vrai. Voilà ton souhait exaucé. Mieux vaut tard que jamais. C'est bon. Merci. T'es prêt? Mmh. En avant. Ok. Bon. Laisse-moi passer la première cette fois. À vos ordres, chef. On dirait qu'une bombe a explosé ici. Ouais, c'est pas impossible. Viens, je pense qu'on peut passer par là. Alors attendez, je vais me faire quelques soins si ça vous gêne pas. Bien sûr que non. Ok. Hop, let's go. La porte est bloquée. Attends, je vais... Non, non, je m'en charge, je gère. Tu vois, je te l'avais dit. Tu vois, je répète, je gère. Ouais, ouais. Bien joué. Merci. Sinon, t'as vraiment besoin de cette machine? Allez, on y est presque. Pas question d'abandonner maintenant. Moi, je dis ça. Attends, je peux faire une petite cascade? Dommage. On va récupérer ce qu'il y a de l'autre côté. Ce serait dommage de passer à côté. Voilà, regarde. Regarde, 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 regarde. Boum, c'est fait ça. Ça, c'est dans la boîte. Les molotovs. Je peux vous dire que c'est ultra pratique. J'arrive, Sarah. J'arrive très lentement, mais j'arrive. C'est le principal, d'accord? Attends. Attends, Sarah, je vais me permettre un petit truc. Une petite folie du soir. Ah, dommage! Allez, re. Je comprends mieux comment les mutants sont entrés. J'en connais un qui savait pas se garer. La voie est libre. Et ben, merde! Encore des barricades. Il y en a partout. Allons voir les bâtiments. J'aperçois le département des sciences, là-bas. Faut juste passer ces barrières. Alors, je prends un petit raccourci, on sait jamais, y'a que dalle. Ça, par contre, je prends. Hop, on peut pas. Une autre fenêtre ouverte. Je la vois. Allez, let's go. Viens. Allez, viens, ma grande. Mais cette fois, essaie... De trouver de quoi te faire monter plus vite. Bon, ben, y a pas des caisses en carton. C'est bon. Bon. Attends. Oh, essaie de pas attirer les grouilleurs cette fois, d'accord? Ouais, ouais, je vais voir ce que je peux faire. Qu'est-ce qu'on par hasard?
Hein ? Sarah ! Putain, non ! Sarah ! Trouvez Sarah, ils étaient si nombreux. Ben frère, je fais quoi moi ? Saloperie ! Lâche-moi ! Évidemment ! Sarah, tiens bon ! Allez, énerve-toi, mon Dicom ! Allez, allez ! Non, putain, non ! Non. Elle est où ? Mais elle est où, Sarah, la con ? Bordel de merde ! Sarah ! Sarah ! Non, putain ! Sarah ! Ok ! Allez, réponds-moi ! Hein, qui va ? Si t'es arrivé... Sarah ! Hey. Oh putain, ils étaient... Ces trucs, ils étaient si nombreux. Ils en venaient de partout. Tout va bien. Ça va, tout va bien, tu n'as rien. Ça va. Viens, on est presque. Elle va péter un plomb dans pas longtemps, elle, hein. Elle va nous foutre dans une merde. Une sauce de catégorie 8, hein. Harissa et samouraï, hein. Et ben, on continue. Toujours prendre le temps de prendre des petites bouteilles vides au passage. Hein. Vous savez que c'était les briques dans Last of Us, là, c'est les bouteilles, hein. Voilà le bâtiment des sciences. Ouais, on dirait que cet endroit a été soigneusement bouclé de l'intérieur. Viens, il doit bien rester un accès. T'es sûr que ça va ? Ouais. C'est pas la première fois que je tue des mutants. Ouais, je sais. C'est juste que... Deacon, je vais bien. On y va. Allons voir cette porte, tu peux l'ouvrir ? Non, elle est bloquée de l'intérieur. Contournons le bâtiment. Il y a sûrement un autre accès. Ok, sacré... Quelqu'un l'a scellé de l'intérieur, je te dis. Il vaut mieux vérifier, non ? Fermé. Sacré bâtiment. Ça peut pas s'ouvrir. Voilà, je les fais tous. C'est verrouillé. Forcément. Putain, beaucoup de portes, hein. Ça s'ouvre pas. Évidemment, c'est celle de derrière. Ça paraissait tellement logique. Oh, la saleté ! Hé, hey, c'est pas grave, je suis sûr bloqué, qu'on va trouver... comme toutes les autres. Un autre accès. Oh, merde ! Attends une seconde. C'est quoi, ce bordel ? Attends une seconde, c'est les... Les têtards. Ils sont à l'intérieur. Les têtards à l'intérieur, ce qui veut dire... Il doit y avoir un accès depuis le toit. Allons-y. Très bien. Donc, viens, moi, le toit a l'air plus bas ici. Ouais. Reste à trouver comment monter. La voiture. La voiture, on monte là-dessus, on continue le chemin. Allez, l'artiste. Sarah, par ici. Aide-moi à la pousser, on pourra s'en servir pour monter. Voilà. Ok. T'es prête ? Ouais. Ok, pousse. Oh, quelle difficulté ! C'est tellement simple ! Ok. Ça suffit, là ? L'astuce de la voiture, ça commence à faire tellement... Ouais, beaucoup. Ouais, attends. Voilà. Allez, let's go. C'est bon ? Bonjour, messieurs et mesdames. Bon, reste aux aguets. Les têtards peuvent être hargneux quand on entre sur leur territoire. Si seulement on pouvait éviter de tuer ces têtards. Ça. On me rappelle la petite fille. Tu sais celle de Farewell ? La morveuse qui t'a poignardé ? Elle savait pas ce qu'elle faisait. Aucun d'eux sait ce qu'elle fait. C'est les enfants qui n'ont pas fait tuer. Je sais bien. Bon, les gars. Non ! Non ! Voilà. Attends, t'es tard ! Je
Voilà, on rentre là-dedans, boucle charcuterie. Yes. Allez, c'est bon les gars? On arrête les conneries. Ils sont morts. Bah sans déconner. Allez, let's go. Voilà, ferme-la. On va les jouer au bout. Hop, des petits coups de cœur. Voilà. C'était le dernier. Aucun problème. Ça t'a plu? Ça va. Buter des tétards? Non, mais... Tu dois bien avouer qu'ils sont casse-couilles. C'est le moins qu'on puisse dire. Donne-moi la main. D'accord. Ok, mes couilles, hein. Doucement. Attention. Ça va. Je gère. Ok. Attention. Oh. Comme si c'était pas assez chiant comme ça. Il fallait qu'il pue. Essaie de vivre comme eux. On verra si tu sens la rose dans 2 ans. Sans façon. Où est-ce qu'on va? Et c'est l'une de ces portes. On doit pas être loin du labo ou de la salle de conférence. Pas moyen. La centrifugeuse doit être quelque part par là. Ok, on a la sortie, c'est plutôt pas mal. Essaye l'une de ces portes. Très bien, ça fait plaisir en tout cas d'être à moins que rien. On va essayer de regarder là-dedans. Pas l'air d'y avoir quelque chose. Bonjour. Ok, on va essayer là-dedans. Qui mène à la sortie. On va se créer des solutions, hein, c'est pas grave. Hein. Par contre, c'est un petit peu chiant que je puisse pas... Y'a rien, mais... Y'a 4000 flèches, mais en fait, c'est des putains de poignées, quoi. Allez, hein. Ah là, c'est terrible. Aide Sarah à trouver la centrifugeuse. Sarah, j'arrive, hein. Je suis juste très lent. C'est encore mes rhumatismes. Signe de violence ou d'un assaut. De la ciguë. Putain. Par ici. C'est la centrifugeuse que tu cherchais? Oui, c'est ça. On y va. Ok, c'est très bizarre un peu ce qui se passe là-dedans. Merde. Faut croire que j'ai pas si bien caché la bécane que ça. Ok, allons-y. Ok, bon. Ça va être chiant. Mais avec Sarah... Reste bloqué. J'ose espérer qu'elle m'aide. Ouais, bonne idée. Lâchez ! Tire, tire ! Y'a pas d'ici, y'a pas d'ici ! Je t'aime, prends-toi ! Je m'en charge. Qui me tire dessus, mais what ? Merde, presque à court. Ok. Très bien. Et quand on a plus de balles, on fait quoi dans le jeu? Ça va frère, t'as des balles? Viens ma grande. Hein. Viens, on n'a pas le temps. Hein. Allô? Là tu forces là en fait. Voilà, allez tue-moi ça. Difficilement mieux. Bon bah voilà. On y va.
Tu tremblais comme une feuille. Bon, c'est la merde, hein. Il va me falloir un peu plus de mun, par contre, hein, si je veux faire quelque chose. À l'avenir, hop. Un chiffon, c'est pas fou. Non, parce que là, si c'est zone par zone, on est mort. Ouais, bijé. Bah oui, bah oui. Merci. On est où, tes munitions? Ok, m'a donné des munes. Heureusement qu'elle m'a donné des munitions. Sinon, c'était complicado. Quoique, merci du cadeau. Ça va dézinguer, hein, je te le dis. Hein. Ça va dézinguer. Allez, c'est la fin normalement. Il y en a d'autres, plein d'autres. Il faut dégager le passage si on veut atteindre la moto. Il te reste un ou deux fumigènes. Foutez-moi la paix. On a une bonne vue du parking ici. Regarde où je vais et lance les grenades devant moi. C'est d'accord? Compris. Allez, c'est parti. Ok, ça sent pas bon. Let's go. Vache. Pas tomber mieux. Je suis dans une merde. J'y vais. Brûle. À ta santé. Pascal. Je suis dans une merde. Elle me donne plus rien là. Finish, vanish. C'est la merde. C'est officiel. Je suis dans une merde. Canarde-le, canarde-le. Prépare-toi. Ah ouais, mais j'ai plus rien, moi. Ok. Enfin. Ça, c'est ma femme. Chaud de mort. Ouais. Faut y aller. Ok, j'ai prêt. Faut y aller, hein. Je suis assez. Bouge pas. Non, 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 je suis assez aussi, hein. Oh non, non, je peux rien faire. Oh, je suis mort. Bien joué. Ouais, chope-le, vas-y. Putain, charge vite. Grave, enfoiré. Ouais. Ok. Je suis dans une sauce. Va falloir penser à me donner quelque chose. Quoi? Comment ça je quitte la zone de mission? Je suis là. J'irai nulle part. Je crois que c'était le dernier. Oh la vache. Ok, bouge pas. Je te rejoins. Ok. Oui, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Waouh. C'était chaud. Ok, on va tout fouiller. Clairement, on est au soin près. C'était compliqué en vrai. Hein. Ok, let's go. C'est bon, on peut y aller. Je suis là. On peut enfin se barrer et mettre fin à cette vidéo. On va voir quand même l'issue finale. Régale-moi ma grande.
Ça va bien ? Si moi, je vais bien ? Mais qu'est-ce que t'as ? Oh, mais je sais pas. Je me souviens juste du jour où je t'ai rencontré, t'as tiré en l'air pour effrayer ces blaireaux, t'avais si peur que tu tremblais comme une feuille. Ouais, ben des tas de choses ont changé depuis. Ouais. Viens, fichons le camp d'ici. Sacrée imprimante ! Très bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Sarah ? Ça veut dire quoi, ça ? Écoute, je comprends. Tout a changé, les gens qu'on connaissait sont morts, mais ça explique pas. Ça explique pas quoi, Deacon ? Pourquoi les machos du coin me surnomment la sorcière de Wizard Island ? Écoute, je me fous de tout ça, moi. Il m'est arrivé exactement la même chose qu'au reste de la planète, Deacon. Ouais, ok, si tu le dis. Par ici. Compris. Si tu le dis. J'ai pas l'air très convaincu, hein. On va garder cette petite arme lourde. Elle m'a l'air extrêmement lourde pour le coup. Ok, let's go. C'est bien, ils ont laissé ma moto, ils sont plutôt cool. Ils sont vraiment réglés. J'ai le droit de te remercier. Non. Ok. Sinon, je tenais à ce que tu saches à quel point j'avais besoin de cet engin. De rien. Sacrée mission pour le coup, tu tremblais comme une feuille, 67%, et on va s'arrêter là, suite dans l'épisode prochain. À bientôt tout le monde, portez-vous bien, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, c'était un très bel épisode, ciao ciao.